Donc aujourd'hui, j'ai reçu le prix de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et donc c'est une bourse de postdoctorat. Il y a aussi des bourses pour des doctorats. Et aujourd'hui, c'était 30 chercheuses qui ont reçu ce prix. Et il y avait un total de 1000 candidats. Donc je suis assez heureuse que ma candidature a passé. Je suis très heureuse d'être ici et recevoir ce prix. Le total de cette bourse, c'est 20 000 euros. Et donc c'est donné aux femmes en fait pour mettre plus en valeur leur travail dans la recherche. Et donc on est assez libre en fait pour décider comment on va utiliser cette bourse. Mais le grand but, c'est vraiment de renforcer les femmes dans la recherche. Donc ça veut dire deux choses. Par d'un côté, ça veut dire que cette bourse va m'aider pour renforcer ma propre recherche à moi, qui est déjà en train et que je vais mettre en place étant mes propres projets. Mais aussi, une deuxième phase, on veut aussi en fait attirer plus de femmes dans la recherche, parce que malheureusement, en ce moment, il n'y a que à peu près 30% de femmes dans la recherche. Et donc la Fondation L'Oréal, UNESCO, ils pensent vraiment qu'il faut changer ça. Et cette bourse, c'est une très bon stimulus en fait pour le faire. Pour moi, quand j'ai reçu l'appel de Diane Barras, donc la directrice de la Fondation Axe Science, c'était une grande « yes !» Je veux dire ça parce qu'en fait, c'est vraiment une grande récompense. Pas seulement étant chercheur, parce qu'on travaille en fait très endurant pendant plusieurs années avec beaucoup d'efforts sur un projet et donc qui est pas tout à fait évident de communiquer et d'avoir des récompenses au quotidien, je veux dire, mais aussi étant femme dans la recherche. Parce que notamment, en parlant avec des différentes collègues dans la recherche, donc des collègues femmes, on partage tous l'impression que, en fait, cette faiblesse de nombre de femmes dans la recherche, ça doit être renforcé. Et donc pour nous tous qui ont aujourd'hui reçu ce prix, et pour moi aussi, c'est vraiment un grand encouragement, une grande stimulation, une merci que vous êtes dans la recherche que normalement on ne reçoit pas. Voilà.